Aujourd'hui les mecs, on va directement tricher en plein bull battle. Alors ça va être très simple, j'aurai accès à une baguette magique. Grâce à cette baguette, je peux construire n'importe quelle structure en quelques secondes, en espérant que Multicorn évoque du feu. D'ailleurs mon gars, n'oublie pas de t'abonner, on est bientôt 10 000 abonnés. Ah mais vraiment on y est presque hein, c'est littéralement la dernière ligne droite. T'en penses quoi mon ref? Ah il a tout dit, il nous manque directement une dizaine d'abonnés. Du coup si tous ceux qui regardent la vidéo s'abonnent, on les aura largement. Allez c'est parti, on se retrouve directement en bull battle avec Multi avec son épée. Waouh, comment ton épée est trop bien mon épée, t'as vu? Bon les amis, il faut que je vous avoue un truc, j'ai menti. Je vais clairement tricher dans cette vidéo. Vous allez me dire comment? Alors c'est très simple. On va directement se munir de notre baguette magique. Le stick, c'est la baguette magique. Voilà, vous la voyez là. Et il faut savoir que tous les thèmes dans cette vidéo, je les ai déjà préparés à l'avance. Alors bon, il se fait juste que j'accède à mon menu secret. Allez hop, on prend la baguette magique, l'autre schématique. Et comme vous voyez ici, j'ai énormément de thèmes. Comme vous le savez là, c'est Alai. D'ailleurs, je vous l'affiche à l'écran pour ceux qui savent pas à quoi il ressemble. Alors, le Alai, comment on fait un Alai? C'est le Alai là, c'est le truc bleu là, c'est du truc bleu là. Il me faut des trucs bleus. Ok, comme ça, ouais. Comme ça et comme ça. Globalement, le Alai, je vais utiliser Roi d'Edit, moi, vu que je suis un petit fou. Alors, globalement, c'est un espèce de gros carré, le Alai. Pourquoi on voit pas mes blocs? Voilà. Et vous marquerez qu'ici, j'ai un petit Alai. Du coup, je le prends, je fais l'automatique. Et là, voici, le voilà. Le petit Alai tout beau, tout mignon, du coup. Il est là, mais pour l'instant, il est pas encore construit. Mais avec une seule commande, je pourrais le construire en même pas une seconde, quoi. Allez, on prend la baguette magique et on se prépare. 3, 2, 1. Et boum! Voici, les amis, le Alai qui a été construit. Du coup, maintenant, on va dans l'automatique, unload. Et le voici, c'est bon, il est là, tout beau, tout propre. Oh, il est trop stylé. Eh, en vrai de vrai, il est stylé. En vrai de vrai, il est quand même sacrément stylé. Du coup, là, nous, on a fini en 2 secondes. Je vous laisse voir ce que Multicore fait pendant ce temps-là. Parce que bon, moi, je l'ai fini en 2 secondes. Lui, il reste encore 5 minutes. C'est un espèce de gros carré avec des petites pattes. Donc, on va faire un petit truc comme ça. Et genre, je vais essayer de faire un truc un minimum carré. Alors, //7. Et moi, je fais des commandes de pro, là, vous êtes pas vrai. Voilà, j'ai fait une espèce de. C'est moche. Oh, c'est horrible mon truc. Mais non, mais ça va pas en fait. Ça va pas. Ça. Ouais, bon, hein. Ok, paf, comme ça. Ok, j'ai fait une espèce de gros carré, ça me semble être pas mal. Par contre, je sais pas quoi il ressemble. J'ai pas envie de tricher en fait. Un petit peu des petits trucs comme ça, regardez en vrai. En vrai de vrai, je crois qu'on reconnaît un petit peu le Alai. Non, en vrai, ça peut être pas mal. J'ai une idée de fou, attendez, comment ça marche? Eh, en vrai de vrai, ce que j'ai fait, ça ressemble un petit peu à un Alai en vrai. Enfin, un Alai, je sais pas comment vous appelez ça, mais. C'est fini, c'est bon! Les 5 okay. Minutes sont passées, Multicore! Et bah, j'ai terminé. Moi, j'ai fait un super truc. Oh, quoi? Comment ça, y a un. Oui. Attends, je viens de découvrir un tunnel secret là, c'est quoi ce tunnel? Comment ça un tunnel? Mais t'as fait... J'ai trouvé un tunnel secret. C'est un bug, bah viens de mon côté et... Ah t'inquiète. Ok. Ne pas okay. Ouvrir mais... C'est pas du tout un tunnel pour t'espionner hein, t'inquiète. Mais j'espère pas, Oh. Mais quoi? Voilà, voici ma petite masterclass. Par contre mec, t'as triché là ou pas? C'est trop stylé. J'ai pas triché, vraiment je te l'ai fait genre en 3 minutes et demie. Genre vraiment j'ai... Mais quoi? Mais ça va fait... Je suis content. Franchement, on dirait le mien un peu, t'as pas triché sur moi j'espère. Ah vous. J'ai pas triché quand j'allais voir ton côté, t'avais encore rien fait donc, Ok d'accord ça marche. Mais j'espère pas, j'espère que t'as pas triché hein. Mais bon, en vrai, je te mets... Vraiment parce que c'est le même que le mien. C'est le même que le mien. Moi je te mets une petite note de... Allez un petit 8 sur 10. On va se servir ton tunnel tant qu'on y est pour que tu puisses voir mon truc. Tu vois il est utile mon tunnel. Ah, j'avoue il est utile mais bon. T'inquiète pas que je vais le reboucher pour la manche d'après. Zut. Allez hop, on y retourne, la petite échelle, et voici le mien. Oh, ah oui. Ça va en vrai, ça va. T'as triché avec quoi cette fois-ci? Mais j'ai pas triché, non mais non, mais tu peux pas, au bout d'un moment, avouer que je suis un bon constructeur. Je sais pas, il est en 3D et tout. Non mais tu vas me faire croire que t'es un pro du... Non mais oui, attends, mais mec, giga stylé. Mais oui, mais c'est pour ça que je t'ai dit... Mais en plus je te l'ai dit quand je suis allé voir ta construction, je t'ai dit que c'est comme le mien, mais t'aurais dû faire ouais, ça. Ouais, non mais ouais, ouais, ouais. Après c'est vrai qu'au niveau des blocs, on a fait la même chose au niveau des blocs, en vrai. Moi je nous donne égalité, même si le mien, j'ai un peu les ailes qui ressortent, parce que... Ouais, qui non, le tien est mieux, je te mets 9 sur 10. Ouais, 9, ouais. 8, en vrai ça va, pour l'instant c'est égalité. Là, aucun de nous, pour moi, aucun de nous n'a triché, parce que toi, en vrai, t'as fait un vrai truc quand même. Et en vrai, c'est les deux... Tu penses vraiment que je vais tricher dans une de tes vidéos? Tu penses vraiment genre... Les gars, pour l'instant, ils se doutent de rien. Par contre, on va commencer par reboucher ça parce que bon, ça va 2 secondes. Là, le frérot, il est là, il m'espionne. Nous, on va casser tout ça. Voilà. Bon, alors, une poule en 5 minutes. Mais il est fou. Déjà, par moi, là, il est tellement beau que je veux pas le. Regardez comme c'est trop beau ce truc. Bah, je vais faire une poule. Mais comment il veut que je. Comment il veut que je fasse une poule? Mais il est fou. Mais une poule en 5 minutes. On se rend pas compte. Mais 5 minutes, on n'a pas le temps. Donc, là, je vais faire ça. Bon, prochain thème, j'ai demandé une poule. Vous allez me dire pourquoi. C'est très simple. On va directement prendre notre baguette magique comme d'habitude. Tac. Et comme vous le voyez juste ici, j'ai un petit chicken. Du coup, on va le load. Oh, il est trop beau. Oh, il est incroyable. Regardez-moi ça. Non mais mec, il est archi stylé. Il est trop stylé. Ok, du coup, une poule. Les jambes, elles sont un peu comme ça. Hop, hop. Faut que je lui fasse croire que je triche. Eh, idée de fou. Là, je lui fais croire que je triche. Genre, je fais un truc assez joli. Ok, en gros, je vais faire des trucs en relief un peu comme ça. Mais une poule, en 5 minutes. On se rend pas compte de 5 minutes ce que c'est comme temps, mais c'est très peu 5 minutes. Hein. C'est-à-dire que là, le Alai, j'ai bien géré. Lui aussi a bien géré en partant du principe qu'il n'a pas triché. Mais la poule, ça va être horrible.
La poule, ça va juste être horrible en fait. Ah là les gars, je vous ai ramené mon cousin, Téma. Hey, il y a une petite ressemblance quand même. Comme d'habitude, baguette magique, la commande magique et hop là, le poulet est construit en une demi-seconde, on peut déjà se mettre sur son dos. Non mais les gars, au bout d'un moment, pourquoi s'ennuyer à construire quand tu peux faire ça quoi? Quand tu peux tricher et faire une construction qui peut te prendre, je sais pas, 15 minutes et la faire en 2 secondes. Elle va ressembler à rien ma poule. Ouais, jamais le temps, 5 minutes, mais c'est quoi? Mais il est fou. Ça fait déjà genre 3 minutes, je sais pas compter jusqu'à 3, mais on dirait un dindon qui a trop mangé. On dirait un dindon obèse, vraiment ma poule. Mais hein, c'est pas grave, d'accord, c'est une poule, c'est dans le thème. Ça a pas des queues les poules? Les poules, ça a des queues ou pas? Déjà, ça a des ailes. Bah oui, non, mais déjà, si t'oublies les ailes, débile. Paf, regardez comme c'est 100 fois plus stylé. Ouais, en une commande, je rends le truc stylé. Vous avez vu là, il est un peu jaloux là, je pense. Et on se ressent quand même comme deux gouttes d'eau là, quand même. Et là, il a dit 5 minutes, je crois qu'on est déjà. C'est fini, oh, c'est oui. Fini, multi. Et bah voilà, bah moi j'ai fini, ça tombe bien. Ok, bon. On va. Tu veux commencer par lequel? Par le mien? Ah, t'as fait quoi hein. J'arrive. T'as fait quoi là? Oh, attends, j'ai la surprise. Là, j'ai vraiment la surprise. J'ai le mur qui m'empêche de regarder. Et là, paf, sur la gauche, t'auras ma petite poule. Oh! Ouf! Elle est un peu, hein, j'ai pas eu le temps de prendre les proportions, juste avant de poser des blocs en vitesse. Elle a bien mangé quoi la poule quoi, tu vois. Ouais, mais c'est une poule de KFC. Elle a très très bien mangé la poule. J'ai pas, moi, la comparer avec celle-là. C'est la même frérot. Personne, hein, vraiment. Elle a plus mangé la tienne quand même. Mais non, pas du tout. Bon, en vrai de vrai, je te donne. En vrai, c'est stylé. En 5 minutes, je suis désolé, c'est ultra stylé. Oui, oui, en 5 minutes, je te mets, franchement, une petite note de 7,5 sur 10. Ah ouais, non, mais je pense que je méritais un truc de fou, mais oui. Mais mec, elle a pris du poids, on mène là à la salle de sport un peu, je sais pas. Mais c'est pas de ma faute ça. Allez, on va venir emprunter ton petit tunnel secret. Viens avec moi. Hop là, alors du coup la tienne que t'as fait faire à des builders pro, c'est ça? Mais j'ai pas, regarde, fais tape, regarde moi dans les yeux, fais tape. Y'a pas de builder pro secret, c'est ça? Y'a rien, y'a pas de plugin, y'a pas de mode, on a rien depuis le début. C'est vrai qu'on a rien. Ok, ouais, bon bah c'est une poule hein. Bah c'est une poule, mais attends, si tu poses la poule celle-là à côté, voilà. La mienne était mieux quand même, je suis désolé, la mienne... Arrête, la mienne elle a des pecs gros, regarde moi ça, qu'est-ce que tu me dis là? Oh, je sais pas. Bon, au pire celle-là, on laisse les abonnés voter dans les commentaires si tu veux. Les abonnés, votez dans les commentaires qui a fait la meilleure poule. Ok les amis, 10 minutes pour faire un dragon. Là c'est bon, on passe à la vitesse supérieure. On passe d'un poulet à un dragon. Donc bon là... Ok. 10 minutes cette fois-ci, pas 5 minutes, on se laisse plus de temps. Ok, ok. Allez, hop, j'y vais, c'est bon, bonne chance. Allez, bonne chance. Ok, bon, moi par contre, on est d'accord que là, mon KFC poulet, c'est un truc de fou. On est d'accord, en 5 minutes, je sais pas si vous vous rendez compte, 5 minutes, c'est-à-dire que j'ai juste le temps de faire pouf avec des blocs et c'est bon, et ça a fait ce truc. Non, un dragon, mais il est fou, un dragon, comment ça, un dragon? Qu'est-ce qu'il me raconte, un dragon? Comment ça, un dragon? Qu'est-ce qu'il veut faire, un dragon? Il va nous faire. Faut bien que je regarde par-dessus, comme ça, s'il fait apparaître un dragon de fou. Bon, déjà, je veux pas être mauvaise foi. Ouh, les gars, je pense que c'est la première fois que Multi se rend pas trop compte d'un truc. Mais il triche. Il triche, c'est-à-dire que le poulet en vrai, moyen, toi moyen faisable, mais le Alex, dès le début en fait, je sais que en 5 minutes, même moi j'ai dû un peu speedrun pour faire un truc, et lui il fait un truc vraiment qui ressemble comme par hasard, pas vraiment pixel par pixel, hein, un vrai truc, donc je sais qu'il a triché. Donc là le dragon, déjà il aura pas de modèle, tu vois, il aura pas de vrai dragon, et du coup, comment je vais faire un dragon, moi on a 10 minutes, donc en vrai 10 minutes ça va. Bon les amis, il est temps de dire au revoir à la poule, ça a été un plaisir, non, votez pour elle, c'est bon, elle est partie. Bon les gars, pour l'instant, Multi se doute de rien, parce que, bon, faut savoir que de base déjà dans le serveur, on est que deux, et en plus je lui ai fait installer aucun mode. Bref, on arrête de blablater directement. J'ai importé plusieurs dragons. On va commencer directement par le petit dragon, celui-là. On commence par celui-là. Du coup là, on a un petit dragon qui est plutôt pas mal. Je vais essayer de vous le ramener un peu de ce côté-là. Voilà, ici. Il est énorme, mais il est énorme. Oh là là, mais mec, c'est impossible là. Comment tu veux que je le ramène ici? Je pense que j'ai fait un build tellement BG là pour le poulet que dragon, je vais pas réussir à faire un truc mieux, mais je vais faire des espèces de griffes ici un petit peu comme ça. Hop, 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 un petit peu comme pour le poulet, mais un peu plus grosses, qui font un truc comme ça. Ce sera en fait un espèce de dragon qui sera sur ses pattes arrière, en train de faire ses trucs de dragon. Donc je sais pas. Bon les mecs, je pense qu'il faut clairement agrandir l'espace parce que le dragon que je viens porter, frérot, il est vraiment énorme. On va le relier à là et on va faire //7 Minecraft. Non mais les gars, le dragon il est vraiment énorme, regardez-moi ça. Regardez-moi ce dragon. Il est vraiment énorme. Comment tu veux que j'arrive à le mettre en haut? C'est impossible. Ouais, grosso modo comme ça. En plus, il m'a sorti lui avant la vidéo. Ouais, je connais un petit peu toutes les commandes de World Edit et tout. Il se prend vraiment pour un pro de World Edit. Pour l'instant, mon dragon, il est vraiment pas mal du tout. C'est les jambes, elles sont trop droites. Je sais que les jambes sont trop droites. C'est pour ça que, en fait, je savais. C'était pour voir si vous suivez. C'est pour ça qu'en fait, maintenant, je vais me mettre là. Il est clairement dedans, mais il est énorme. Il est énorme. C'est un échec, unload. Les amis, pour la première fois dans l'histoire des Build Battle, on va devoir quitter la zone de construction et partir construire, parce que non les gars, le dragon il est énorme, le dragon il est beaucoup trop grand, je ne pourrai jamais le construire ici. Au revoir la zone, on descend sur la terre ferme. Je pense que là il doit être bien, là il doit être très très bien même là. Il est trop grand, c'est un échec, il est énorme. Je sais même pas ce que je suis en train de faire là. Oh mais honnêtement, c'est le bazar mon truc, c'est le bazar ce que je suis en train de faire, ça n'a aucun sens ce que je suis en train de faire, c'est même pas un dragon, c'est juste pas un dragon. Voilà, est-ce que vous êtes prêts les amis? On va construire un dragon en quelques secondes, attention, il y aura un crash sûrement de son point de vue, mais bon.
Ok, on est en train d'hacker le truc. Allez, allez. Ah là là, le maxi bug. Oh, le maxi bug. Mon PC, il est en train de crash. Oh, il a été construit, c'est bon. Oh, il est là, il est magnifique, il est tout beau. Allez, on remonte les gars, on repart à la base. On dirait pas un dragon, mais qu'est-ce qu'il veut que je fasse en 10 minutes? Oui, bon, voici mon dragon. J'espère que il va dire que je suis pas dans le thème. Je vais dire, si tu racontes, je suis totalement dans le thème. Regardez, j'ai fait des doigts, ça c'est des doigts, ça. Regardez, ça c'est la main de mon dragon. Genre, je suis dans le thème en fait. C'est. Ok, c'est bon, on a tout préparé. Le dragon c'est autre part, passe à droite. C'est parfait. Par contre, c'est toujours pas fini là. C'est fini, c'est bon. Ok, moi j'ai fini. Masterclass vraiment de mon côté. Ah ouais, vas-y, j'arrive vers toi. Ah, t'es pas prêt. Là, tu vas dire, mais comment il a fait ça? Tu vas penser que. Mais quoi? Attends, mais t'as fait un vrai truc là? Bien sûr que j'ai fait un vrai truc! Mais what? Je suis secrètement un builder pro moi! Et pendant une demi-seconde, j'ai resté Lined, je sais pas pourquoi j'ai resté lui. Ouais, c'est un dragon, hein! C'est un dragon! Il a des ailes, donc c'est un dragon! Ah, par contre, t'as fait une masterclass, hein, vraiment! Par contre, c'est moi, elles ont. C'est ouais, dingue. Il a un petit problème au doigt, le frérot! Ses pieds sont stylés, ok? Tu regardes les pieds, okay. Juge-moi sur les pieds! Je vais prendre en photo ses pieds, oh bizarre! Mais c'est vrai que les mains là sont un peu bizarres. Je te mets un 7,5 sur 10. Oh, pas mal. Bon, vas-y, viens, je te montre le mien. Suis-moi. Allez, je vais juger le tien. On passe par ton passage secret. Hop. Alors, déjà, il dépasse pas du mur. Donc, déjà, c'est-à-dire que t'as pas fait un dragon qui. Tu vois, genre de 10 000 km. Ah, oui, non, clairement pas. T'inquiète pas, j'ai pas fait un dragon de 10 000 km. Bah. Suis-moi, multicolore. Ne te pose pas de questions. Suis-moi, multicolore. En fait, genre, le dragon était tellement grand que tu l'as fait dans un autre endroit et que là, on va se TP en fait. Mec, là, vraiment, je te montre une épreuve de fou là. Le dragon se trouve autre part. Passe à droite, suis-moi multicolore. Pourquoi je m'attends à un dragon giga? En fait là, genre, on va se retrouver dans une prison et en fait on va être à l'intérieur du dragon. Mais 10 minutes aussi, c'était trop long mec. Ouais, t'as raison, c'est trop long 10 minutes. Mais j'ai eu le temps de faire un truc de fou en 10 minutes. J'ai peur de voir ton dragon là, ton dragon il va dépasser du ciel mais vraiment là. Juste... Ok. On va vraiment avoir un dragon genre schématique, je sais pas non, quoi. Non, mais arrête, non, je ne te permets pas de dire que mon dragon, voilà, il est là. Ouais, t'as construit ça tout seul hein. Waouh, fou pour toi. Non mais regarde, non mais arrête, t'en penses quoi? En fait, j'avais trop d'inspiration et au lieu de me poser dans un petit, tu vois, c'est un petit espace, je me suis dit autant le faire en plein air. Ouais, parce non, que le vrai. Dragon a besoin qu'il de est se... un peu grand. Voilà, il a besoin de se déchaîner, de déployer ses ailes. C'est pas la question. Moi, tout ce que je te demande, multicore, tu le notes combien, mon dragon? Je note 10 sur 10, ton dragon. Je vais nommer. Ça fait tout seul. Ignir, le roi dragon. Oh, stylé. Pas mal, déjà le nom ça claque. Il claque le nom. Pas mal. En plus, on peut rentrer à l'intérieur en plus. Quoi? Pensez à tout. Ouais, on peut rentrer à l'intérieur. Putain, mais c'est vrai que je suis sacrément chaud quand même. Attends. Bon, prochain bateau. Oh, bah ok, bonne chance. Et bah, je vais direct. Je me dépêche. Bon, vous en doutez, je sais, il sait, tout le monde sait qu'il est en train de tricher. Parce que mon dragon, par contre, déjà, masterclass, mon dragon, il est encore Crash Co ou il fait exprès en fait? Okay. Non, parce que tout le monde sait que mon dragon, c'est une masterclass. Sauf que son dragon à lui, qu'il a fait tout seul. C'est bizarre, mais je crois que son dragon qu'il a fait, je crois qu'il l'a genre mis sur un site pour télécharger. Parce que, genre, son dragon, on peut le télécharger depuis internet. Enfin, genre, je sais pas, c'est bizarre, mais c'est juste un truc comme ça qui me passe par la tête. Mais regardez sur quel site je suis. Je suis sur un site de schématique et c'est bizarre parce que ce dragon là. Genre, il me dit vachement, bizarrement, quelque chose. C'est hasard de fou. Alors, du coup, comment faire un bateau? Eh ben, vous allez voir, idée de fou. J'ai pas envie de casser mon truc. Il est génial, mon dragon, par contre. Dites-moi dans les commentaires, par contre, si mon dragon était fou. Hein. Gars, là, c'était sûr. Là, c'était sûr. Mais en plus, j'ai toujours mon truc de schématique à droite, là. Putain, faut que je découvre quoi? Attendez, je découvre quoi? Au bout d'un moment, je voulais qu'il crame parce que, bon, tu vois, le dragon, ouais, c'est bon, il est pas con, tu vois, non plus. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le bateau, c'est encore pire. Là, vous avez le dragon, vous vous dites, ouah, il a abusé et tout, c'est un truc, tu vois, il est énorme. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est encore 10 fois pire. Attendez, je vais vous le montrer au pire. Regardez, baguette magique, tac. Regardez-moi ce bateau de zinzin. Oh, regardez-moi ça. Oh là là, attendez, on va l'emporter ici. Voilà. Oh, oui, ça suffit toujours pas, sérieusement? Oh là là, mais mec, mais c'est impossible là. Mais mec, c'est impossible. Non, mais regardez-moi ça. Bon, donc maintenant, par contre, je suis vraiment en train de me demander ce que lui il fait pour tricher. Parce que je sais qu'il utilise des schématiques, mais je sais qu'il y a un truc genre light schématique. Mais en vrai, bateau pirate, je pourrais totalement faire un truc assez joli vu que je suis un peu un expert en bateau. Mais là, j'avais envie juste de faire une blague, de faire un truc hyper pété. J'aurais jamais le temps de faire un bateau, hein. J'ai déjà construit des bateaux pirates pour une de mes vidéos. Ok les mecs, j'ai une idée de zinzin, on va directement redescendre en bas et je vais faire un maxi troll à multicore. En gros, ce qu'on va faire, c'est que du coup, le grand bateau, on va le générer directement dans l'eau. Parce que bah c'est un bateau quoi, il faut de l'eau. Ok, le bateau est posé, du coup on a juste à faire la petite touche magie, attention. Ok, le bateau est directement en train de se construire sous nos yeux. Regardez-moi ça. Oh là là, tout se construit sous nos yeux. En vrai de vrai, le bateau vous lui mettez combien sur 10? Pour de vrai dans les commentaires. Voilà. En vrai de vrai. Il est quand même sacrément stylé là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais directement remonter et on va directement
construire du coup un faux bateau et on va troll Multicorps, on va lui faire croire que notre bateau bah, c'est un truc nul alors qu'en fait c'est pas le cas. Il pensait vraiment pouvoir gagner sur le thème bateau. C'est-à-dire que je m'en fiche de son bateau de 10 km qu'il a trouvé sur internet. J'ai gagné en fait. C'est que moi je vais carrément gâcher un coffre au trésor. Parce que juste là il y aura des escaliers. Alors je voulais dire juste là il y aura des escaliers. Regardez, hop, qui descendent comme ça. En vrai de vrai, mon bateau, il est pas raté en fait. Oh par contre le choc qu'il va avoir quand il verra le vrai bateau après. Du coup dans ce commande bloc je vais directement du coup mettre les coordonnées de mon vrai bateau du coup. Normalement là j'ai fini, c'est bon, mon bateau il est fini les gars. C'est bon, j'ai fini le petit bateau. C'est fini. Et bah hop, ok, bah moi j'ai à peu près fait un bon truc. Ok, on commence par toi. Ok, si tu veux. Oh, non mais mec, il est vraiment beau. Petit bateau. Non mec, t'es trop fort. Il est vraiment beau. Voilà, pas mal, pas mal. Ah, il te reste des petits blocs, je vais t'aider à les terminer. Hop là. J'ai des petits trous pour faire genre il est un peu abandonné, okay. Mais vu qu'il est pas abandonné, par contre, t'as regardé un tuto là, non? Non, bah non. Ouais, bon, Multi, il a pas. Je suis juste un moi, expert en bateau, moi, en allez, fait. Allez. Des bateaux, j'en construis tous les jours, tous les matins quand je me réveille. Hop là, un petit bateau. Non, mais c'est pas toi qui a fait ça, gros, c'est pas toi qui a fait ça. Si, c'est moi qui ai fait ça. Mais en vrai de vrai, le bateau, vraiment 8 sur 10, ton petit bateau là. Après, le mien il est un peu spécial. Oui, le tien il est peut-être un peu plus gros, le tien il fait peut-être 500 blocs de long. Vas-y, viens voir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Si tu me dis que c'est ton bateau. Arrête, arrête, non, c'est mon bateau, frère. Je pense que t'as pas triché sur ce coup là en vrai. Non, mais le tien, c'est vrai que. Ouais, toi t'avais une porte, t'as pensé à tout. T'as pensé à une porte, mais le truc de fou. Mais viens voir. Ouais, mais frère, celui-là il va pas être ouf, je pense. Hein. Ouais, tu vois. Non, pas ouf. Pas, je préférais le premier. Pas où, non, bof, en vrai. Un peu nul quand même. Arrête, là c'est ma masterclass gros, tu peux pas dire ça. En vrai, il flotte quoi, grosso modo, vite fait de loin. Ce qui va nous départager, c'est vous dans les commentaires, vous allez voter pour la poule. Ça va être la poule qui va nous départager, j'en ai rien à foutre, ça va être la poule. Je pense que j'ai gagné hein. Oui, bon, allez, on va voir. On verra quelle poule va gagner.